Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vais vous présenter la dépense. Je sais plus quoi. Attendez, je regarde. J'ai même plus le nom. J'allais sur le légendaire. Et c'est les nouvelles voitures du DLC. Comme je vous avais dit, je vais en présenter quelques, pas toutes. La Vapid GB200, je l'ai déjà. La Antique, je vais peut-être l'acheter. C'est la Cheval Taipan, 1 980 000. Nanana. Elle a une bonne vitesse, accélération, hop. Freinage, pas beaucoup. Traction, hop. Traction, ça veut dire elle peut tracter. La conception est dirigée à l'humain appartient n'est pas. Dédié à la vitesse pure et aux formes improbables. Bon, on va monter dedans et on va aller la customiser, bien sûr. Ça a l'air d'être une sportive, je sais pas si c'est une sportive ou une super sportive. Toi, casse-toi. L'arrière de la voiture, elle est bizarre, je trouve. Ah, c'est une super sportive, youpi. C'est le plus rapide, de toute façon. Et c'est une des plus rapides. Par choc. Oui. Elle fait le bruit de la turbo et remonter. C'est ce que je me disais. Châssis. Moteur à fond. Échappement. Je sais pas jamais lesquels. Soit je mets cela ou soit je mets cela. On va mettre cela. Capot. Éclairage, char des noms. Rétroviseur. C'est pas dans toutes les voitures qu'on a des. On peut custom les rétro. Mais c'est que du carbone et tout. Hop, bas de caisse. Ça fait bizarre, c'est des ailerons, mais ils sont centrés entre la carrosserie qui est un peu spécifique. Un rond de série. On va mettre celui-là, s'il est un peu discret. Turbo, hop. Transmission, hop. Fenêtre. Fumer. En rond. Bon, il laisse normal. Ah oui, la peinture. Peinture principale métallisée.
Je lui verrais bien du rouge. Ça ressort, ça fait une couleur ferrée. Après, on fait si avec du vert ou du bleu. Ou du jaune. Je sais pas la main quelle couleur. Le jaune, j'ai vu qu'il était bien, mais j'ai choisi du bleu. On va mettre du jaune. Pour changer. Bon, c'est bon, on a changé la voiture. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? J'espère qu'on a des chevaux sur le capot. En plus, la plaque elle est sur le côté. Alors, elle est bien. Bon, on va tester maintenant. On va rouler un peu avec. Et après, ça sera la fin de la vidéo. Puisque ça sera la présentation et la customisation et la présentation de la voiture. On a l'air d'avoir de la patate. Putain. On va essayer de regarder au milieu, même si c'est pas trop éclairé, là le petit écran électronique des kilomètres-heure, parce que sur les cadrans, c'est hyper dur. Allez. Là on a une bonne ligne droite, on va foncer. J'ai vu du 140. 141 km/h GTA. Alors va vite. Hein. Maintenant on va essayer en dehors. On va aller sur l'autoroute. Et on va mettre les environ 130-140 km/h. On sera hors vue première personne pour voir si ça fait bien l'effet de vitesse. Et on se tape déjà le côté. Mais elle a l'air d'être belle, hein. Même en plusieurs couleurs. C'est une belle voiture. Mais elle a l'air de foncer. Elle a l'air d'être rapide. On se retourne avec le bas. Désolé de ma mauvaise conduite. Le bruit des pots et un peu le moteur, il ressemble à la turbo R. J'aime bien le bruit de la turbo R, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré bruit pour l'instant de voiture de GTA, c'est la X21. Elle fait un bon bruit de pots et moteur. Bon, ici encore les kilomètres. Et après, je vous montrerai un peu l'intérieur de la voiture. Ouais, elle fait du 140 km/h environ. Quand elle va assez vite. Putain, on se prend tout. Là, c'est la dernière fois. Sinon, on prend un arrêt. À l'intérieur, à l'arrière, on voit pas le moteur et tout, on voit pas l'arrière. C'est ça qui, malgré pas très bien, ils auraient pu faire un petit truc à l'arrière. Ou des sièges à l'arrière. Après, les sièges, ils sont assez beaux. Et le tableau de bord, il ressemble à la Bugatti Veyron, là. Je sais plus comment elle s'appelle, le nom. Attendez, on va regarder où les gendarmes. La Bugatti.
Allez où? Ah, la Bugatti Chiron, je veux dire. Après, ça, c'est une ancienne voiture. Bah, elle est où? La truffe Adder, ça, c'est la Bugatti Veyron. Et la Adder, elle est où? Allez, après le témoin déjà. Elle doit être après là. Pas loin, elle doit être. Alors? Elle est pas là. Moi, je la trouve. Bon, c'est pas grave. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et c'était Théo Gaming. Bye et à la prochaine pour une autre présentation de véhicules, bah, des nouvelles voitures du DLC.